Hey, salut les passionnés, c'est Lord Authentique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vidéo sortie Solex, voilà, je me trouve à Chamblay Circuit pour le Solex 2024, voilà, c'est le nom de la sortie. Voilà, c'était une journée consacrée à des petites balades autour du circuit, comme l'année dernière, à des petits parcours type Gymkhana et couronne. Les couronnes, pour ceux qui ne savent pas, c'est le principe de rouler avec 10 centilitres le plus longtemps possible, voilà. Des petits parcours aussi d'épreuves, voilà. Enfin, des petites épreuves sympas, voilà, histoire de se retrouver ensemble. Et puis surtout, passer un moment. Et en fin de journée, vers 17h, quand le circuit sera libéré, puisque là derrière, il y a une session de motards allemands, voilà, qui viennent d'Allemagne, qui viennent en France pour faire une petite session sur le circuit Chamblay. À partir de 7h, ce sera la petite parade sur le circuit. Je te montre cette journée. Allez, c'est parti, on y va. Bon ben voilà, les passionnés, là, ils partent pour un petit tour à Dommartin-la-Chaussée, voilà. Dommartin-la-Chaussée. T'as un petit 5000 rose, assez original, et un jaune, voilà. Et un 3800 MBK, enfin Motobécane phase 2, aussi en couleur originale, voilà. Je vais te montrer aussi d'autres machines. Alors là, t'as pas que des Solex, c'est aussi des mobs préparés. Voilà, belle mob préparée. Moi j'aime bien le style comme ça, bleu, blanc, bleu ciel, rose, surtout les jantes à bâton rose, voilà. Mob custom, voilà. Ensuite, voilà, on n'est plus sur les Solex, moteur de Solex 2200, entièrement refait, voilà, avec le pot. Ah, ça, a priori, c'est la petite manette pour décompresser. Voilà. Un flash mobilette à cardance Solex, flash. Voilà. Un 3300, voilà, donc 3300, la particularité, c'est d'un cadre de 3800 avec un moteur de 2200. Bon, pour ceux qui ne savent pas, ça a été construit, le 3300, pour éliminer le stock de pièces moteur de 2200. Voilà. Ce modèle-là a été spécialement fait ça pour ça. Mon classique noir de 1971, et non, hélas. Et là, je ne suis pas venu avec mon Solex 5000, à regret. Hier soir, j'ai voulu qu'il redémarre, j'ai changé la bobine d'allumage. J'en ai acheté une toute neuve chez Shapeco. Mais rien fait d'affaire, il doit avoir une fuite à la masse. Il n'y a pas d'étincelle à la bougie, il ne peut rien savoir le bougre. Donc il faudra que je rebosse sur la partie électrique de mon Solex 5000. À regret, j'espère pouvoir le prendre pour la sortie Vélo Solex Choice le 14 septembre. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Je vous mets la petite affiche dans le coin, voilà. Dans le coin avec les infos, voilà, et puis pourquoi pas un petit lien en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent venir en Suisse pour la sortie en Suisse organisée par l'association Vélo Solex Schweiz. Voilà, je fais un peu de promo pour les associations, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est bien qu'ils aient un peu de participants, voilà, un peu de participants histoire de voilà de remplir un peu le nombre de participants, et puis surtout pour les bénévoles, ça fera plaisir qu'il y ait toujours un peu de monde. Voilà. Bon, on continue sur le tour des Solex ici. Voilà, un 3800 dans son jus. Et encore les liserés. Voilà, dans son jus. Voilà. Un 5000 aussi dans son jus. Ah, ça doit être certainement les derniers. Tu vois, il n'y a pas le garde-boue chromé sur le moteur. Certainement les derniers. Les derniers 5000 là. Encore un 5000 custom avec plein d'autocollants. Bah tiens, et il a été acheté à Jarny dans 54. Voilà, 54. Donc ça, si le propriétaire actuel est du 54, bah tiens, encore un autocollant. Donc c'est un Solex 5000 qui a toujours été en Meurthe-et-Moselle. C'est un peu le même principe que mon Solex classique en 1971 qui est là-bas. Voilà. Solex acheté en Haute-Marne avec un propriétaire qui était en Haute-Marne. Et moi je l'ai racheté toujours, qui était toujours en Haute-Marne. Et alors l'actuel est toujours en Haute-Marne. Voilà. Donc Solex 100% au Marnais.
Alors ici on a une édition super spéciale, donc un Tourmulisan Impex édition magasin champion. Alors ça c'est un peu comme les Tourmulisan Impex Roland Garros, donc édition spéciale. Voilà. Un 5000 orange avec les sacoches qui vont bien. La veste Solex. J'ai pas vu que c'était un belge parce que je vois le logo Solex. Solex Service. Ça fait penser à la petite entreprise de réparation de Solex en Belgique, Solex Service. Tu vois le logo. Un 3800 motobécane phase 2, voilà, qui est là. Encore un deuxième, mais celui-là, il n'a pas le phare d'origine, tu vois. Un petit phare boulette, voilà. Une Peugeot 104. Maintenant, le propriétaire, il a galéré à la faire démarrer. J'espère qu'il est arrivé. Un Solex 5000 repeint, hein, ça se voit, qui n'est pas dans sa couleur d'origine. Repeint, mais voilà, fonctionnel. Je l'ai croisé tout à l'heure, ça fonctionne. Un beau 3800, couleur custom. Moi j'aime bien, franchement, j'aime bien. Voilà, c'est un beau bleu, tu vois. Surtout j'aime bien la guidoline là, sur le guidon, c'est vraiment sympa, quoi. Super. Tu vois, il a une petite couleur brillante et par contre le pot il est mat. Pot mat. Un autre 3800 noir. Ah, il y a un petit autocollant Montluçon. Peut-être la concession l'époque. J'aurais penché pour un motobécane phase 1, tu vois. Et il fait penser un peu au mien. J'ai un peu les poignets comme ça, tu vois, sur mon phase 1. Mon phase 1 de 1972 ou 73. 72, 73, je sais plus. Voilà, parce que de toute façon, on regarde, t'as le phare en forme de losange. Alors ici, il y a un custom 103. Peugeot 103. Surnommé la Harley Quinn. C'est le proprio qui m'a donné le nom de la mobilette. Et un autre custom. Voilà. Avec une petite prépa, bien sympa. D'accord, il y a ça. Le MC Ried. Ok, d'accord. Trophée de la plus grosse. Alors là, t'as une Peugeot 104 et un Solex 5000. Eh oui, j'aurais bien voulu venir avec mon Solex 5000, mais bon, problème d'allumage. Il veut rien savoir, le bougre. Faudrait que je monte le plateau d'allumage où je vois les branchements électriques. Donc du coup, j'espère pour que septembre, j'espère que mon Solex 5000 va remarcher et l'emmener en Suisse. Voilà, et l'emmener en Suisse. Petit parcours de lenteur. Celui qui met le pied par terre. Ouh, ouh, ouh. Qui arrive le plus tôt possible est éliminé. Voilà. Il a le droit de faire ça par contre. Il a le droit de faire ça. Tant qu'il n'a pas posé le pied par terre, c'est bon. Voilà. Petit parcours de Gymkhana. Juste à côté. Ah, faut faire le tour. Tac. Voilà, ça maîtrise. Voilà, la petite rampe à bascule. Encore un petit tour. Voilà. Ah, l'épreuve là. On est censé choper la bouteille et la ramener en bout de banc, mais je vais la déplacer, sinon ça n'a pas de sens. Voilà. Là, il faut faire le tour des poteaux. Droite, gauche, droite, gauche. Un tour complet. Voilà.
Voilà, il est censé avoir un pneu, mais le pneu n'est pas là. Il est là. Je vais le ramasser. Hop, ah. Hop là. Si tu arrives à le balancer dans le trou. Tiens, je vais te montrer. Je vais donner le pneu. Voilà. Voilà, il prend le pneu. Et hop. Et hop là, voilà. Nickel. Ça se voit que c'est le vieux pneu, je sais même pas. S'il est craqué. Oh, il pourrait encore être utilisé. Hein. Dans la porte. Ah non, il est bouffé. Attends pour moi. Il est bouffé. Il n'y a plus rien. Il est presque à la gomme. On vient passer là. Voilà. Après, c'est la planche. Hop. Bah, derrière enfin. Le cône à gauche, ça va. Sur la planche d'abord. Voilà. Celle-là, elle est plus étroite. Hein. Plonge la bascule. Voilà. Hop. Le tour. Et hop, entre les deux cônes. Voilà. Et puis il n'y a plus qu'à les tours. Des fois au milieu, gros sauton. Hop, pas grave. J'en veux, je remets le cône. Voilà. Voilà, petit parcours. Je vais me le faire aussi, tiens, je vais m'amuser. Et puis je vous reprends après pour la caméra. Ah non, mais attends. Bon, bah voilà, les passionnants, on s'est fait une petite épreuve de lancer de moteur. Hein. Je vous rassure, c'est des vieux moteurs flingués de Solex. Donc, j'ai fait un premier lancer à 5,50 m et un autre à 6,20 m ou 6,30 m, je sais plus. Non, 7,20 m. Et puis là, bah, on va se faire les couronnes. Donc le but, c'est d'avoir que 10 centilitres, 10 centilitres de carburant, et de tourner le plus longtemps possible. Et celui qui va le plus loin et le plus longtemps, bah, gagner les couronnes. Voilà. Allez, c'est parti pour cette épreuve. Je vais y participer, et puis bon, je ne pense pas tenir jusqu'au bout. Et si je ne tiens pas jusqu'au bout, bah, je vous montre la suite. Allez, c'est parti pour les couronnes. Unité au plus d'essence, 10 centilitres consommés. Les 10 centilitres consommés. Voilà. Impeccable. C'était ça, j'ai oublié, comme j'ai pas mon très petit appareil photo, je mets la caméra dessus, bah, j'ai mis le support sur la. Moi, je l'avais pas trouvé, j'ai pas trop envie de l'abîmer. J'aurais ma merguez à la limite, je fonçais, ça me dérangerait pas, mais là, bien sûr, là, non. Je vais mollo. Ah, ça y est, pardon, on se tu cognes, hein, c'est un peu. Bon ben voilà les passionnés, ça y est, les petites épreuves sont terminées, le lancer de moteur, la devinette du poids d'un moteur, d'un autre moteur, pas celui qui a servi pour le lancer, et les couronnes sont terminées, donc là t'es aligné, tous les participants à les couronnes, moi aussi j'ai participé, bon ben ça n'a pas duré longtemps pour moi, 15 minutes, voilà, 15 minutes avec 10 centilitres,
J'ai pas une grosse autonomie, mais bon, ça c'est un peu normal. Hein. Maintenant, je fais des moteurs qui sont un peu énergivores. Je vais te montrer le tableau des gagnants. Donc voilà. Alors lui, on lance le moteur, il a fait 8,80 m. Voilà. Le deuxième, il a fait 8,10 m. Et le troisième, 7,48 m. Voilà, on lance les moteurs. Et après, au poids. Au poids. Attends, que je me retrouve. Au poids, 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 poids. Alors, ça n'est pas loin du 7 mètres, du 7 kg. Voilà. Donc, c'est Guillaume voilà, qui a gagné au niveau du poids, levé de poids. Et en plus, il y a un autre Guillaume, rien à voir, un autre Guillaume qui a gagné les couronnes. Ah non, pardon. Thierry, qui a gagné. Qui a gagné justement à l'école. Ah, félicitations à eux. Maintenant, on va se préparer pour aller sur le circuit, la parade. Je vais vous montrer le départ de la parade. Et puis voilà, et puis après, moi, je vais faire quelques tours. Et pas trop longtemps, parce que là, après, je retourne encore une dernière fois sur mon lieu de vacances. Allez, c'est parti, je te montre ça. Bon, bah, ça y est, les passionnés, le tour de parade va bientôt commencer. Les participants commencent à s'installer en ligne, un peu en déparlement, mais bon, c'est pas une course, hein, c'est plutôt un côté fun, parade, voilà, c'est histoire de s'amuser ensemble sur le circuit, de manière fun, de manière bon enfant, voilà, il n'y a pas d'enjeu particulier, voilà, c'est juste une parade pour se faire plaisir sur le circuit. Voilà, donc là, pas mal de personnes qui s'alignent, la voiture qui passe, voilà. Et puis on va pas tarder à démarrer. Attention, ça va démarrer. Bon messieurs, amusez-vous bien. Allez, c'est parti. Et c'est parti, voilà. Hop. C'est parti pour la parade sur le circuit. Voilà. Bon, je serai bien sûr le dernier. Voilà, le petit surpresseur de Pascal. Allez, c'est parti. Allez, moi aussi je me mets en selle. Sur mon classique d'or de 1971, je me mets un point. Tu vois le drapeau rouge, enfin le drapeau rouge, disons le panneau rouge qui est équivalent du drapeau rouge. Je vais me mettre à peu près à ce niveau-là pour vous filmer le passage des participants. Allez, c'est parti. Ça y est, les premières modes passent. À la bonne celle-là. La deuxième mob, voilà, qui passe. Bien sûr, ce sont des mobs prépa. Ce sont des mobs préparés. Une quatrième mob passe, une Peugeot 104. Voilà. Bon, celle-ci en config stock. Une autre mob préparée. Ça envoie, ça envoie. Une cinquième mob qui passe. Voilà. Un premier Solex qui passe. Ah, le poète-poète. Ah oui, le poète-poète, c'est important. Oh là, ça fuit. Ça fuit. Voilà. Deuxième Solex. Par contre, le premier Solex qui vient de passer, là, il n'avait pas son bouchon. Ça fuit. Oh la vache. Oh, oh. Ah non, c'est autour des Solex, ça va défiler. Voilà. Ah, ça tombe bien. On sent le moteur, là. Pour une config stock, ça tombe pas mal. Allongé. À bonne attaque. Tiens, la première mob qui repasse. Ah, les Solex. Avec le 5000 rose. Tala, tala, tala. Ah, la mob stock. Ah, la petite peau boudin. Voilà. Allez, on pédale, pédale. Pédale, pédale. Repassage des autres mobs. Un 3800.
3100 couleur custom. Voilà. Ah, le surpresseur. Voilà. Le 5000. Un 3800. Ou 3300, je devrais dire. Ouais, plutôt 3300. Parce qu'il y a les réservoirs en métal. Ou ouais, peut-être un 3800 entre 66 et 68. Ou 69 plutôt. 60. Regarde. Hop, un Solex avec un petit passager. Voilà. Allez, allez, on pédale, on pédale. Allez, 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 allez. Voilà. C'est en passage de la mobilette aux couleurs custom rouge. Avec les roues roses. Voilà. Ça avoine, hein. Ça avoine. Repassage de la mobilette jaune. Et du Solex. Ah oui, le poète-poète, le poète-poète, poète-poète. Voilà, le poète-poète. Eh bien, il est temps pour moi de faire mon tour de circuit et de vous montrer ça en caméra embarquée sur le Solex. Voilà, j'ai ma petite caméra embarquée sur le Solex. Allez, c'est parti pour mon tour de circuit. Tiens, là, de nouveau un Solex qui va passer. Oh, je sens qu'il va plus fort quand même, hein. Allez, c'est parti pour mon tour de circuit.
Il est temps pour moi de me rentrer, de me retourner sur mon lieu de vacances. Voilà, ce sera le dernier week-end de vacances. Parce qu'on va dire, il est tout le temps en vacances. Non, il y a au bout d'un moment, on a des limites. Donc, j'espère que cette vidéo sur Chablais vous a plu. Donc je remettrai le couvert l'année prochaine, si tout va bien. Si les organisateurs sont au rendez-vous. Moi, je suis toujours en rendez-vous. Prochaine vidéo, que je dis pas de bêtises, c'est Griège, voilà, course de Griège dans l'Ain. Course de Griège dans l'Ain, donc c'est fin août, voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur le Cholex 2024 au circuit de Chamblay vous a plu. En attendant, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo, laissez un pourboire si vous appréciez mes vidéos, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.